Jeudi 29 avril 2021, gros bonjour et bonsoir pour toute fanatique TV Lakay. Et nous comptons avec vous matin là, donc pour nous porter toute première vidéo nous pour vous. Jeudi, c'est pratiquement quatrième sortie nous. Pour ce maintenant, et nous disons merci parce que vous toujours été connecté avec nous, vous toujours suivi vidéo nous. Vous toujours partager, commenter et liker. Nous disons merci pour confiance et fidélité. Merci tout parce que vous faites choix de nous pour informer. La question accident qui a fait dans le pays d'Haïti, bon, c'est pas seulement dans le pays d'Haïti, dans le monde là même, disons dans tout pays qui existait, et bien toujours des accidents, et des fois c'est des accidents non prévus. Et bien, donc dans le pays d'Haïti là, mesdames et messieurs, sur route nationale numéro 1, et bien côté qui a une grosse collision qui fait entre deux bus, c'est un petit bus papadap et puis un autre gros bus Saint-Domingue, et bien qui a une catastrophe. Et qui fait une catastrophe, mes amis, mesdames et messieurs, bagaille vraiment, vraiment, vraiment drôle. Eh bien, t'es gagné. Il y a 14 personnes qui mourent. Et c'était 15 personnes qui étaient dans le bus papa d'Apla. Et bien, 14 là, dans le mourir. Et 5e, 15e, non, c'était donc l'autre chauffeur qui était donc le deuxième chauffeur bus là. Et donc, j'ai eu le Haïti. Eh bien, c'est monsieur qui était vivant. Et c'est lui-même tout qui était bâillé un petit cal information concernant. Et donc comment accident ça les même temps arrivé et ben produit par rapport avec vitesse nèg yo a metté hein nèg yo était tellement à bouline et sortant de là donc accident fait nous connaît et comment nèg Haïti pas prudent même dans question et entre vitesse dans machine qui donc nèg yo c'est pas course n'a fait mesdames et messieurs nous ka on ti gens prudent donc il prend bagaille dans l'autre niveau pour éviter genre de catastrophe ça plus passer 15 moun et 14 moun donc disons mouri 14 moun environ. Eh bien, perdit la vie dans accident ça, donc collision, deux bus, mesdames et messieurs. Tout détail, nous allons inviter au gain avec donc un citoyen qui lui-même, eh bien, pour dire plus sous dossier ça. Donc, où t'es parmi les premières autorités qui t'es arrivé sur place pour constat légal, et ou qu'a partagé quelques informations avec nous concernant circonstances accident et quantité exacte moun qui mourit et qui blessé dans accident ça. Bon, hier après-midi, il était à environ 5h30, arrivé pour 6h, la police t'a informé de l'accident, terrible accident ça, qui est arrivé dans la zone sous scrutin. Il y a une zone qui est trouvée entre Carriès et Williamson, sur le national à Carriès. Et moi, pas de printemps pour me dériver sur les lieux. Et moi, la police était sur place. Et après le constat légal, moi j'ai été nombré 14 cadavres, 14 corps sans vie, que avec aide monsieur dame protection civile dans la commune, nan, qui était capable de retirer mon son papa dans ça pour être arrêté et avec un peu de difficulté pour les mettre au dehors. Et puis papa dans ça, et a transporté 15 personnes sorties pour santé pour aller à Port-au-Prince. Il y a 14 personnes qui étaient en donne, et il y a 15e personnes, c'était dans l'échelle de l'ADDR. C'est les ça seulement qui étaient en vie. Après, tout le monde qui était en donne n'a pas d'avoir mouru, et puis je me constaté. Et ensuite, j'ai appris que j'ai un monde qui était blessé, qui était transporté à l'hôpital. Et il y a deux hôpitaux dans la commune qui bail service, c'est l'hôpital réformé de Saint-Anne et l'hôpital de référence Nicolas Armand qui est dans la ville. Ensuite, je suis rentré dans l'hôpital réformé, je suis constaté trois blessés. Et là, je suis sorti dans l'autobus qui a suivi le trajet Santo Domingo Gonaïve là. Et l'autre là, c'était survivant qui était dans Papa d'Apla, qui était dans toute explication, qui était confirmé pour nous que Papa d'Apla était gagné 15 mounes, 14 mouris, c'est seulement lui-même qui vivant. Parmi les gens qui mourent, combien de filles est-ce que tu as gagné 10 mounes comme passager? Non, pas gagné 10 mounes. Moi, j'ai constaté 8 filles et 6 garçons. Et dans le bus qui est sorti au Saint-Domingue, pas de blessé. Pas de mort. Pas de mort. Pas de mort. Je ne sais pas si la quantité de blessés qui est allé dans l'autre hôpital, mais ça me constate que les blessés, je suis capable de constater trois blessés pour
pour bus là qui était sorti Saint-Domingue dans de l'hôpital yo avec l'autre blessé c'était dans et papa de blague le. Qui information gagne sur circonstance accident, comment le produit, comment ça arrivé? Et d'après et monde qui vivant qui était dans autobus là, on connaît qu'on a pu fait fin tomber. L'état informé moi que c'est autobus qui sorti Saint-Domingue là qui portait bourré sur ce papa d'Apla qui occasionnait terrible accident ça. Mais information qu'il a gagné avec QIO qui était sur place, on dit c'est tous les deux bûcheux, c'est cause excès de vitesse et imprudence après la pluie qui cause accident. Donc c'est sûr, après la pluie, hein, donc, comme la pluie n'a pas tombé quelques jours, route lent, c'est peut-être glissé, c'est peut-être un mauvais contrôle de yon là dedans qui vient une cause croisement, ça n'a pas les collisions. Bon, et effectivement, c'est ça lui-même. Mais il faut me dire que route nationale là, dans la zone pas la commune pas la m'pa kwè, m'kon pa sonse menon, sa m'pa constate yon accident de circulation. Même le pa gen moun mouri, mais toujours gen accident sou route la. C'est ça que fait toujours mande chauffeur yo. Pour yo pren ti conscience. Parce que route la, li vraiment fragile. Parce que surtout pour chauffeur pa d'avion. Parce que c'est dans un clin d'œil au vaisseau. Ah oui. Parce que bon beaucoup de gens rencontrent un papa dans ce route là qui a pour ralenti. Parce que il est vrai, bus qui a sorti Saint-Domingue et passager qui était dans papa d'Apla dit que c'est autobus qui était bourré sur yo, même qu'on est tous si. Chauffeur papa d'Ablat a conduit avec prudence, je pense qu'il était capable d'éviter l'accident. Ah oui. On constate aussi presque chaque jour, on a fait, et nous toujours dit, sous tant d'autres gens, nous n'avons pas papa d'Ablat qui dans la ville province, de autant de papa d'Ablat, puis il perdit, c'est quatre petits caoutchoucs quand même. Et il y a des mesures, une songée qui te prend. Et côté côté même voulait interdire pour papa d'Absayo pas faire trop loin une ville provinciale parce que rend compte vraiment donc les sous-routes là c'est Zelnando. Oui, sous deux trois manifestations monsieur t'es fait autorité est obligée de retourner sous décision. Sous décision. Les juges dans constat nous fait est-ce que tu as une possibilité nous t'es joindre carte d'identité sous Mounio et comme ça ou tu as dressé son premier liste pour nous de victimes. C'était matériellement impossible parce que les gens c'est dans la valise peut-être bien sûr capable et il y a quelques valises qui ont été chances récupérées nous de confier avec la police qui font mieux capable dans le commissariat pour aller vérifier et connaître mais nous pas de chance pour nous de capable identifier et la pluie a pas fini de tomber tout. Et l'essentiel, c'était retirer le cadavre dans la rue pour être pour faire transporter dans le mort. C'est ça qui fait nous te confier le cadavre avec deux entreprises funéraires qui sont dans la zone. Nous te confier 8 filles avec une et 6 garçons avec l'autre pour les familles venues pour facilement et identifier le cadavre pour chaud. Non, pour finir, ça. C'est des cadavres qui sont faciles à identifier. Non, c'est pas un cap qui a identifié les revenus. Ça qui est sûr, c'est que. Mon qui vivant, moi, c'est seulement que je me dégaine parce que je me dégaine chance de parler avec lui parce que je les Valérie Edmond, je crois. Valérie Edmond? Oui, lui-même, c'est deuxième chauffeur, papa d'Abla. Papa d'Apla. Et papa d'Apla, tout le monde a sorti pour sonder, c'est ça? Je suis sorti pour sonder. Ok. Pour rentrer à Port-au-Prince. Et d'abord de Port-au-Prince. Voilà.
Donc, bus est sorti en terre voisine, il t'a pris quelle direction? Et bus qui sorti en terre voisine, il a pris direction Gonaïve, parce que c'est son trajet que compagnie ça a assuré chaque jour. Et il a monté, il a descendu. C'est-à-dire, mon cap sorti à Haïti par ce domaine, sorti Gonaïve, il passait à Kaye, passé par Yaspine pour rentrer Santo Domingo. Et pendant qu'il a pris rentré, toujours il y a un cap sorti. Ok. Et qui nous compagnie ça? Et moi pas connu non compagnie exactement parce que dans le corps du marqué Santo Domingo Gonaïve. Ok. Eh bien d'accord, mais merci un peu le magistrat. D'accord, ça n'a pas fait la guerre chiffre, hein? On va parler avec Garnel Michel en stop accident parce que gagnait oui plusieurs monde qui ont été transportés à l'hôpital avant même que la justice est arrivée et sous place. Docteur Garnel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Gonsé et bonjour à toute auditrice, tout auditeur de Grand Boulevard. Donc nous-mêmes, au niveau stop accident, qui s'en gagne comme élément de formation en plus par rapport à l'intervention de juge de paix qui a fait constat cadavre, qui lui-même dit qu'il a constaté 14 cadavres des jeunes sous place. Ok. Et parce que l'intervention juge a été fondamentale, très importante, parce que dans le cas ça, comme autorité légale qui arrive sous place, mais remarquez que l'idou que l'arrivée vers, il a annoncé ça vers 5h30 et l'accident a passé vers 3h30. Donc ça veut dire que l'arrivée est un peu 2h après, c'est-à-dire que par rapport à l'heure informée là. Et qui fait que l'ICA fait constat sous monde qui mourit sous place, mais les monde qui blessés étaient évacués dans le sang, l'ambulance a commencé à transporter monde et les machines qui commencent à transporter monde. Et Santa Cadi comme information additionnelle, bon, on va lire le nom du SLA, c'est nous croyons que c'est Capital Faster, on va y s'arrêter. Et nous, pour image, bah, pour nous parler avec des mondes qui étaient sous les lieux, et image tout montrer que bon monde qui en bas du SLA, c'est-à-dire que mon dame, du SLA tombé sous lit, et ce bout de pied l'a regardé. Et bon, en fait, son drame, c'est vraiment catastrophe. Et gagné, nous apprenons tout que gagné au moins un monde qui mourit pendant. Pendant qu'on est amené dans l'hôpital. Et c'est le plus gros problème que nous jouons dans le cas ça. C'est que, ou pas même qu'à jouer une quantité de monde. Mais c'est pas gagné, transport commun, en Haïti, pas gagné quel côté enregistré, monde qui mourit. C'est-à-dire que ce bus-là, sûr que les gens qui étaient montés, qui étaient à qui pas d'informations, ils ont des informations de travail, même certains qui ont des informations de travail, en plus que ce sont des gens qui sous-chopent. Donc, et nous considérer l'information que la protection civile, bah, là, parce que Paris est le coordonnateur régional pour la protection civile, là, t'es présent. Oui, l'information que nous joignons sur le site officiel de protection civile, on nous parle avec un agent de protection civile, tout, parler de 21 monde qui t'a mouru sur le champ. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a gagné, parce que nous n'avons pas l'information exacte là. Il y a des monde que peut-être que, parce que l'agent de protection civile là, bon, en fait, c'est pas un médecin, et il y a des gens, on est si reporté comme des gens qui mourent, parce que il y a des gens, l'ambulance est arrivée, il y a des gens, selon eux-mêmes qui pas mouru, notamment en dame, ils ont besoin de les transporter. Et alors, donc, on est si c'est des gens peut-être qui ont été contrôlés pour moi, parce que c'est des gens qui ont parlé avec eux, pas à répondre, c'est des gens qui perdent du côté de ça, c'est des gens qui sont extrêmement graves. Et en un cas accident, ça, il y a pire trou, ma crânie, il y a pire monde tête qui ont frappé, tête qui ont crâné, ou il va chaud. Donc, son situation vraiment compliquée, que nous pas à éviter, parce que nous avons des commentaires tout à l'heure, bon, c'est dit ça clairement. Le bas pluie, quelques jours la pluie va tomber comme ça. Le bas pluie a fait qu'à farine, on vient de faire tomber. Tout ces crêpes carreaux de l'eau transformées en la glissée. Et que vraiment, faut que chauffeur machine, c'est presque campé pour t'accaper. Et nous connaissons que le gars, c'est transformé, mais là, c'est pas bon
l'État a demandé pour respecter les normes. Vous pensez de partager qui est même déjà tellement pressé. Donc, c'est une situation que vraiment compliquée. Et les gens qui mourent, ça, au fond, c'est des guerriers, c'est des innocents. C'est des gens qui arrivent dans notre nation. Il n'y a pas choisi qui puisse monter, plus qu'à charger à remonter. Donc, et puis, nous, ça va perdre la vie dans l'état, ça. Parce que apparemment, il n'y a pas la place à plusieurs rouleaux. Mais, en tout cas, c'est des catastrophes que nous avons évité. Parce que n'importe qui vit les questions, hein, excepté peut-être sans question de mauvais comportement humain, mauvais comportement chauffeur, mais pas et moi, vous ne responsabilisez l'État. Parce que dans tout pays, nous nous faisons excès pour toutes raisons, soit parce que c'est des départements, soit parce que les blessés, mais il faut qu'il y ait une autorité qui pour régler cette chose-là. Et c'est pour ça que nous avons toujours prôné pour que l'État crée une unité de police routière, ça qui va exister. Pas quelle autre situation de sécurité qui va être quantité de monde à aux victimes d'un coup. Ouais. 50 000 environ aux victimes d'un accident, vraiment. Oui, catastrophe. Mmh. Vraiment. Et qui ça ne fait de. En tout cas, dans des institutions sanitaires qui, aux alentours, on a parlé de l'hôpital, qui capacité pour recevoir blessés, surtout dans une zone, tant que route nationale, en zone ça, au niveau AKA et cabaret, qui toujours gagne accident. Est-ce que l'hôpital répond? Bon, premièrement, lorsque quantité de victimes en général, l'hôpital a commandé ou a déclenché plan blané pour permettre que, parce que il n'est pas facile pour que l'hôpital recevoir 30 monde additionnel que le papa tente d'un coup, dans l'urgence pour que l'on soit pris en charge. Mais nous reconnaissons tout bon problème sur route nous, en pile fois, pas gagné l'hôpital qui a répondu. Mais maintenant, nous sommes ensemble, on connaît que Nicolas, Daka, bah, bon coup de main, même si nous on s'est éloigné de Saint-Marc, qui est plateau technique qui t'a fait prise en charge. Mais effectivement, c'est un petit gros problème qui est dans le pays. Donc, route nationale, et le WAPERMES, c'est aussi un gros problème qui arrive, bah, quoi que y ait trop l'hôpital qui a fait prise en charge. Et nous sommes j'ai un cas qui était passé avec l'ancien ministre de Santé. Et vraiment, je pense que c'est une stratégie pour que le ministère a pas été sous pied, renforcer la structure qui est sous route. Parce que route nous, il y a pile accident à faire sur eux, il y a pile marché qui traverse ces routes, qui coupe les routes nous, mais pas suffisamment de structure hôpital qui a fait mise en charge. En plus que l'ongle cas d'accident, c'est des bagages spécialisés, c'est des bagages chirurgicales pour la plupart du temps, c'est des mondes main cassés, pieds cassés, tête frappée. D'accord, question pour ma dernière, même sous Villio, il n'y a pas qu'à faire plus en charge. C'est sûr que Bernard Meuse, Vien Ballet, l'hôpital général, on sait à un moment, mais vraiment, il n'y a pas qu'à faire plus en charge. C'est quand même un problème grave qui gagne par rapport à la question, au point de vue sanitaire. Dernier aspect qui gagne dans la question sanitaire, là, que nous pas touché la plupart du temps, c'est l'aspect impact psychologique. C'est-à-dire que dans tout le monde qui perd du tête après accident, moi-même, mon image est vraiment triste parce que je vais regarder mon vidéo, je vais regarder sous le même accident, etc. Sans avoir un dégât, je vais sur la vidéo à guerre. Il y a beaucoup de monde qui campe là, regarder tout le monde. Beaucoup de monde, on va regarder. Et bien, il y a tout le monde qui campe là. Il y a tout le monde qui est sous les lieux. Car pour le coup, si on peut partir des têtes mondiales qui crasent à terre, nous tournons à vivre. Donc, il y a des gens qui étaient normatifs, qui étaient normatifs, qui étaient normatifs, qui étaient normatifs, qui mourent devant le confort, on s'en va, il y a des séquelles sur le monde. Alors, que nous connaissons les questions santé mentale là, nous n'avons pas parlé de la réalité d'abord ici. Donc, quand l'homme cas compliqué, le trauma, ça a eu, il n'y a qu'un suivi, qu'un traitement. Et donc, nous, ouais, deux mères cassées, deux pieds cassés, les moins graves, c'est le monde qui gomme au moment.